Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable let's play sur Spider-Man et nous en sommes à l'épisode 22, installez-vous confortablement, tout va bien se passer comme d'habitude, on se retrouve une bonne demi-heure ensemble, n'hésitez pas à prendre de quoi vous délecter, boire, manger, faites ce que vous voulez après tout, on est parti, je vous conseille évidemment, comme d'habitude, allez voir ça de plus près. De mettre en HD. Si j'étais un mercenaire déguisé en scorpion, où est-ce que je me cacherais? Derrière toi! Je t'achèverais bien, mais c'est Octavius qui paye, et il veut te voir souffrir, ce que je respecte. Bon sang! Qu'est-ce qu'il vient de m'injecter? Bah du venin! C'est un scorpion, les gars, faites un petit effort quand même! Ok. Si on va voir comme ça pendant longtemps, on est mort. Hein. Qu'est-ce que... Oh. Que c'est une mer de poison? Impossible! C'est pas réel. Ça doit être le poison. Ok, solise là-bas, les gars. Il faut que je prenne de la hauteur et que j'analyse le produit qui m'a injecté. Très bien. Bon, si on touche le sol, on est mort. Waouh! Non! Oh, poison! Non, pas mais bien. C'est tellement injuste. C'est n'importe quoi, c'est ridicule ce que je viens de prendre. Il n'y a que moi pour prendre des bails chelous comme ça. C'est terrible. Ok, bon. Faut pas toucher le sol, vous l'aurez compris, les gars. Okay. C'est pas grave. Je devrais être tranquille une minute. Je dois analyser la neurotoxine pour pouvoir créer un antidote. Forcément. On va l'analyser sur place, je pense. Allez, on va voir un petit... Oh, amélioré. Ok. On va prendre ça, par exemple. Ça me paraît pas trop mal. Et peut-être ça. Voilà. Par contre, pour celui-ci, ça risque d'être très très chiant. Donc, on peut prendre ceci. Ceci. Et oui, et forcément. Voilà. Par contre, il resterait lui, donc. Easy. Aucun souci. S'il vous plaît, pas un autre. Pas un autre. Oh non, abusez pas. Une neurotoxine hallucinogène. Mon cerveau va créer des cauchemars qui vont me sembler vrais. Ça va me sembler vrai. Tu dois t'y vite. Faut d'abord un stéroïde naturel. Un extrait d'éclipta alba devrait faire l'affaire. Ça me paraît logique. Pas loin. J'espère que c'est la saison. Mais attendez, si je suis en pleine alu, comment ça se fait que les grues... Attends, ça monte. Mais ça monte totalement. Ça monte totalement cette connerie. Ça monte totalement. Heureusement qu'il y a plus de 100 mètres. Ça va me tuer. J'arrive à la chair. Il devrait y avoir de l'éclipta alba dans la serre. C'est... La voilà. Où elle est passée? Okay. C'est réel ou c'est dans ma tête? On est en pleine allume. C'est peut-être les deux. Doc? Ce sont les hallucinations qui s'intensifient. Tu peux y arriver. Doc, vous avez l'air... Comme avant que l'interface neurale n'affecte mon esprit. Mes obsessions étaient déjà là. Mais l'interface m'a permis de les accepter pleinement. Je vais réparer ça. Vous réparez. Il le faut. Ah, Peter. Toujours à vouloir prendre les choses en main. Même quand il n'y a plus d'espoir. Ton optimisme effectif m'a aidé à tenir un nombre incalculable de fois quand je n'y croyais pas. Ça va me manquer de t'avoir. Ok, je me perds. Je suis désolé, Doc. Je vous demande pardon. Oui, oui, tu es désolé. Voilà l'équipe d'Alba. Attends, c'est mon masque là qui s'en va là? Je peux rien faire hein. Mais il me faut une antitoxine pour créer un antidote permanent. Un des postes de recherche d'Harry développait une atropine synthétique. Je dois vite me rendre là-bas. Waouh!
putain, j'allais dire ça monte encore. Que de scorpions géantes. Super. Merci, cerveau. Ok. Scorpion ? Comment t'as eu ce numéro ? Toujours les questions les moins pertinentes. Ce n'est pas comment je t'appelle, c'est elle que je t'appelle. C'est peut-être les cris enfiévrés de ton cerveau agonisant. Réel ou pas, dès que je vais mieux, je m'occupe de toi, Mac. C'est qu'elle mordrait la bestiole. Allez, on est presque arrivé, voilà, ça devient assez terrible. J'ai besoin de... Boum ! Juste là. Direct au centre de recherche. Allez, on va revoir Otto, je pense, à mon avis. Encore un petit parcours à faire. Otto ? L'atropine a disparu. Forcément. Mais oui, c'est clair. Ok. Pas encore. Ça me paraissait logique. Jusqu'ici, aucun problème. Je veux la clé d'Iron Man, s'il vous plaît. C'est trop tard. Tout comme il était trop tard pour m'aider. Ce n'est pas vous, Doc. Ah, mais si, c'est moi. Le moi qui dérangeait particulièrement notre bonne société. La partie de moi que je réprimais. Mais tu m'as aidé à briser mes chaînes. Je regrette. Je trouverai un moyen de vous aider, je vous le promets. Arrête de te voiler la face. Tu n'aides jamais personne. Je suis mort. Je suis dead. Red Dead, excellent, on adore. N'oubliez pas le premier épisode sorti sur ma chaîne YouTube. On y va. Fais chier, putain. Merde. Ah d'accord, un petit temps de chargement pour recommencer. Très bien. Arrêtez de fuir. Laissez-moi essayer. Je ne veux pas de ton aide. Wow. Tu es nul. Dans la vie, en amour, au travail, tu n'apportes rien de bon. Le bras d'Otto, il est énorme. Arrêtez. Je vous laisserai pas tomber. Je vous en prie, parlez-moi. Je peux vous aider. Alors tu veux me traiter comme tous les autres, en me réprimant, en m'étouffant. Mais non. Tout comme mon génie, je vais éclater à la face du monde. Voilà, la troupine. Allez, on est reparti. Non, c'est juste un petit effet. C'est pas le masque qui décolle, j'allais dire, sinon c'était bizarre. Je vois pas comment il aurait pu décoller et avoir cette forme-là. Assez terrible. Petit temps de chargement caché, évidemment, qu'on appréciera. Ce qui se passe strictement rien. Ils auraient pu mettre au moins un petit dialogue, mais bon. J'aurais qu'à synthétiser l'antidote. Oui, forcément. Il faut que je retourne au labo. Ok, donc dans chaque putain de coin de New York. Presque guéri. Isolé de ruiné et déplorant. Oh, t'inquiète pas. J'ai encore plein de surprises en réserve. On s'en fera très bientôt, tous les deux. Tu comptes bien. J'ai peur. Putain, ça monte encore, hein. Ça devient chaud. J'y arriverai jamais. On est cuit. Mais ça va, les gars. Je perds mes mots. Toujours plus de tentacules. Et dans tentacules. Aïe, il y a tentat. Comme c'est bon. J'ai réussi. Miraculeusement. Hop, le labo d'Otto. Il faut que je crée l'antidote. On y marche tranquille. Oh, on y va tranquillou. On sait que, tu vois, on est arrivé. Enfin. Allez, vous savez ce qu'on dit, les amis, hein. Jamais 203, évidemment. Ah, non. Si, un bug. Il n'en est pas question. Tu es sur mon territoire. Ok. Tu es comme Osborne. On va affronter autour. Tu es volé, mon génie. Tout ce qui arrive maintenant est de ta faute. Tu croyais débarrasser moi, Scorpion. Tu es réel. Bouge pas, je vais rentrer. Ok, étourdissez à l'aide de vos poils. C'est une ouverture. Ok, bon, c'est pas du tout s'il est réel, je pense. Encore une hallucination. Au moins, je l'ai pas imaginé trop fort. Il doit être mi-réel, mi-alu. Non, bon, ok, c'est totalement une imagination.
Ok, on va l'affronter à chaque plateau. Très très bien, qu'est-ce qu'on a là? Ce sera pas aussi facile. Ah. Bien sûr que si. Maintenant, je sais que c'est le poisson qui essaie de me distraire. Je t'attends. Ok. Waouh! Je prends ma part. Ok. Tu seras jamais bon à rien. Un de moins. Un de moins. Ah, ah, va falloir tous les faire. Ok, c'est la merde. Yes, ça c'était gratuit les gars, ça fait plaisir. Ça sert à rien d'attaquer en force. Ok, un de moins. Mais j'attaque pas en force en fait, j'essaye juste de survivre là mon petit Peter. Peter Parker. Ok. Ça va les gars, oh. Ok. Hop, encore un de moins. Arrête! Des trolls sur internet. On coule. Hop! Lui, il s'en débarrasse direct. Oh, c'est tellement stylé! Le fait qu'il plante son épée. Son épée, non, sa queue. À la place de ton oncle, moi aussi je me serais jeté sur cette balle. C'est à l'intérieur, terriblement mal tourné. Okay. On concentre, ils sont combien? Putain! Ok. Voilà. Après, je suppose qu'on va affronter le vrai. A mon avis, ça c'est un tuto pour nous préparer. Jeff Davis est mort. Okay, c'est le dernier. Par ta faute. T'as anéanti cette famille. Ah non, pas la conscience, tranquille. Allez, ça dégage. Ok, plateau suivant. J'espère que c'est le dernier. Je tiens à peine debout. Voilà la centrifugeuse. D'accord, elle est en train de se construire. Mais oui, c'est clair. Enfin, j'ai presque. Je crois que j'ai réussi. Où est passée ma tenue? Je crois que j'ai un peu forcé sur la décontamination. Je ferais mieux de me mettre quelque chose sur le dos. C'est mieux. Bon, on va dire que rien de tout ça n'est arrivé. Ok, bon, on peut regarder quelque chose par ici. Très très bien. Ok, rien de nouveau. Bon, là il avait juste réuni la squad au complet avec des articles de journaux. Rien de fou là-dedans. Allez, on peut sortir... Ça fait bizarre de revoir le labo d'auto, sachant qu'il est parti et qu'il est devenu totalement méchant et qu'on va devoir lui mettre sa petite part à celui-ci. Je pense qu'il est temps d'aller voir Scorpion et clairement de lui mettre sa part et de le mettre en prison avec... c'était qui qu'on avait affronté Electro et Vulture. Non, Vulture, Vulture. Je sais pas. Il faut que je finisse d'évacuer le poisson de mon organisme avant de m'attaquer aux autres villas. Moment idéal pour une petite patrouille. Allez, on est parti. Alors... Il est temps de voir si des nouvelles tenues sont disponibles, je pense. Oh, il y a une nouvelle tenue. Oh la vache, elle est pas mal aussi. Tenue vélo, vélocité, très bien. Les micro-giros permettent de courir plus vite et le transfert d'élan en temps réel renverse les ennemis. Moi, c'est elle que je veux et je peux la voir. Vous êtes prêts, les gars? Celle-là, on va le garder au moins 2 épisodes parce que franchement, elle est incroyable. Que dis-je? Elle est incroyable. On est parti, semer le chaos avec vos bras métalliques articulés en alliage. Oh bah, on va même garder le spécial. Le special. Qu'est-ce qu'on peut faire? Augmente l'XP reçu. Analyseur de combat, très bien. Cellule de puissance et seconde peau. Réduit les dégâts causés par les attaques de mêlée. Pourquoi pas l'améliorer? Il y a tellement de nouvelles choses à aller voir aussi. Oh, il est tellement stylé. On va le garder, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, mais clairement, je pense qu'on va le garder. On va voir s'il y a pas un ou deux crimes. Ah bah tiens, nickel. Nickel, nickel, nickel. Ok. Qu'est-ce que je vais faire? Il se transforme en robot, votre truc. Ok. Et ensuite? Oh, elle est tellement stylée, la tenue. Voilà. Bougez pas, j'essaye de... Regardez, regardez, regardez. Oh, c'est quoi? Oh mais oui, c'est mon nouveau truc. Oh, 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 c'est tellement... C'est bien, mais c'est tellement bizarre. Ok. Oh mais c'est tellement stylé, par contre, qu'ils aient pensé à ça. Attendez.
J'essaye un truc. Ok, non, y a rien à essayer. Ça fait waouh. Calmez-vous, calmez-vous, c'est totalement gratuit. Hop, toi tu dégages. Hop, toi tu dégages. Et toi, tu dégages aussi, tu vas suivre ton pote, y a pas de souci. Voilà, et toi, un petit coup, ça dégage. Bon, ronchon, vous avez besoin d'une sieste. Profitez-en. Je pense qu'on va recevoir un coup de fil pour aller voir notre ami scorpion. Est-ce que je peux te poser une question d'éthique épineuse? Est-ce que tu penses qu'on peut tourner le dos à un de ses amis? Oh, waouh, Pete. Tu penses à Otto? C'est si évident que ça. Ouais, je te comprends. Eh ben, mon côté noble et généreux me souffle jamais. Quand on est un véritable ami, on est là pour l'autre, même s'il s'égare. Mais après ce que toi as fait, je sais pas, Pete. Je crois qu'il faut que tu décides si l'Otto Octavius que tu connaissais existe encore. Ou même s'il a vraiment existé. Ouais. Ouais. Merci, MJ. Je crois que... faut que j'y réfléchisse. Appelle-moi quand tu veux, Pete. Je suis là pour toi. Ouais. Tu m'as pas beaucoup aidé, MJ. Ça fait mal. On a plein de quêtes secondaires un petit peu partout qu'on fera avec le temps, sachant qu'on a aussi du Red Dead 2 à faire. Oh, attends, il est où le sapin? Il est là. Ok, bougez pas. Ok, hop, on va aller là-haut. Et la caméra est à l'envers, forcément. On va pouvoir récupérer le sac. C'est bon! Ça c'est fait! Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un petit crime. On va le faire aussi. Ça fait des jetons. Par contre, très honnêtement. Attendez. Une ville en quarantaine? Ça, c'est fait. Ah bah oui, ensuite, une course poursuite avec des coups de feu dans tous ça, les ça sens. Ça dégage. Et ça. Ça s'arrête très très vite. Boum. Bon, avant le fight, je suis pas très très fan des bras mécaniques. Vraiment, mon préféré pour le moment, c'est l'explosion de toile. Je la trouve assez insane. Et je crois que c'est elle. Je ne crois pas, j'en suis même sûr. Jusqu'ici, on est bon. Je préfère clairement l'explosion de toile. Je vais pas vous mentir, ça immobilise bien plus d'ennemis. Ah, c'était le sable. Ok, donc je poursuis. Je poursuis le sable qui poursuit. Oh, tiens, t'as pris ta part. Ok, regardez. Hop. Voilà. Hop. J'ai mis sa part vite fait. Les armures de certains agents du sable résistent aux toiles. Forcément, c'est clair. Oh là là, la petite John Cena comme ça! Sous l'effet d'une grenade! Ok. On est pas mal. On va arrêter les deux derniers et puis on aura réussi ce petit crime. Ah, elle est tellement stylée la tenue, vraiment, je la kiffe. Dites-moi ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez qu'on garde celle-ci ou la tenue officielle du jeu? Mais hélas, elle est finie. Allez, ça c'est fait. Mettre fin au délire en moins de 2 minutes. Ouais, tranquille les gars, jusqu'ici on n'a pas trop galéré. Voilà, pouvoir de tenue prêt, y'a pas de soucis les frères, mais je vais pas l'utiliser maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bon, faut vraiment que je m'occupe de Scorpion, mais j'ai pas revu Tantemet depuis l'incendie. Ah. Je pense que je peux me permettre une petite halte piste. Ok, on va voir Tantemet avant d'aller s'occuper de Scorpion. C'est dommage, je crois que de ce côté de la ville, y'a plus grand chose près du fist. On va y aller, c'est terrible de dire le mot fist comme ça. Sachant que c'est quelque chose, c'est un refuge en plus. On y va calmement. À toutes les unités, et je prends ma part de toutes parts, hein, si je peux me permettre l'expression. Besoin d'un agent dans le sud d'Houston. Ok, on va passer par ici. Hop. On est bon. Allez, les gars, non, sérieux, vous abusez, putain, regardez. Ils m'ont mis mid-life juste avec leur délire, là. Qu'est-ce que c'est, là-haut, là? L'ennemi de mon ennemi est, bah, aussi, mon... Non, rien à foutre. Voilà. Mais je dois empêcher ça. Rien à foutre, enculez-vous si vous le souhaitez. C'est pas mon problème. C'est parti. Allez, on va voir Tantemet. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Rangez ça, là. En attendant le retour de Miles, le mieux qu'on puisse faire, c'est de nourrir tout le monde. Oh, Peter, je suis si contente de te voir. Comment tu te sens? Je vais bien. Et toi, Tante May, tu t'en sors? Oui, mais je n'arrête pas. Oh, laisse-moi te... Oh, doucement.
Je vais bien. Mais, c'est pas toi qui m'as dit un jour que je devais accepter d'être un humain comme tous les autres? Toi et Ben, vous avez le don de retourner mes paroles contre moi. Je vais bien, Peter. Un peu surmené, c'est tout. Il est où, Miles? Il peut pas t'aider un peu? Oh, mais si. Il est parti chercher des fournitures médicales au centre. C'est fou à quelle vitesse on consomme les antibiotiques. Voilà ce qu'on va faire. Toi, tu prends un moment pour décompresser. Moi, je m'occupe de la cargaison et j'appelle Miles, d'accord? Bien. Mon amour propre de Parker a été blessé. Il faut le choyer. Allez, Miles, réponds. Je me fais déjà assez de soucis pour Tante May. Chut, Manway. Tu parles d'une petite balade. Comment des prisonniers ont pu faire ça? On dirait qu'un bulldozer atomique est passé par là. Ah. Je peux pas faire demi-tour. Le fils a besoin de ses antibiotiques. T'as entendu le bruit qu'a fait sa tête quand le gros l'a frappé? Qu'est-ce qui se passe? Vite, une diversion. Mon app de piratage. Ok. J'ai entendu un truc. Ok, ça a marché. Je crois que j'ai dû rêver. Je bombarde tout droit, hein, la foutre. On va passer... Oh, damn Daniel. Je devrais pouvoir passer par-dessus ce mur. Oui, sans déconner. Ça devrait pas être trop dur, ça va. Cette tente. C'est plus facile que prévu. Non. Tu sais très bien que ça va pas se passer comme ça. Hé, vous, venez par là. Désinfectant, mais pas d'antibiotiques. Je dois chercher encore. Ok, c'est bon, 2 secondes. Oh putain. Oh putain. Ok. C'est quoi ça? Centrale, la zone est sécurisée. Je répète, la zone est sécurisée. On va par ici. Ça peut s'arrêter très vite. T'as juste à nous dire où et quand ont lieu vos ravitaillements. Il y a d'autres réserves par là. Il faut que je contourne ces types. J'ai pas cette information. J'aime pas. On va passer par là tranquillement. Ça me file. Quoi, ces super types veulent à tout prix s'en prendre au centre. Oh, je bombarde, hein. Rien à foutre. C'est rapport à Osborne. Ils veulent montrer qu'il est faible et qu'il est pas capable de protéger la ville. Tout ça pour ça. Ok. Enfin, moi, du moment qu'il me laisse garder le matos qu'on trouve. Je m'en tape. Pareil. Ces trucs valent une fortune sur le marché. Une chambre de provisions. J'ai très très chaud, les gars. Les doigts, des kits de premiers soins. Mais pas d'antibiotiques. Eh ben. Bien trouvé. Tu as de bien belles grandes poches. Faut que j'évite ce sniper. Oui, sans déconner. Sans déconner. Oui. Tranquille, aucun souci, il suffisait juste de bombarder. Bas les couilles des snipers! De toute façon, ils sont aveugles, hein. Ils voient que leur laser. Très bien. Je vais me faire choper, je vous le dis, hein. C'est quasi sûr. Allez, faites que ce soit la bonne. Oh. Amoxicilline. Parfait. Ce mec est vraiment très grand. Ah! Voilà le bulldozer atomique. Le planning et les lignes de ravitaillement. Vite! Yaskadal! Messieurs, excusez-le. Mon associé est... un peu rustre. Il ne connaît rien à l'art délicat de la persuasion. Arrêtez! Oh! Oh, je n'ai pas besoin de voir ça. Ah. C'était quoi? Va voir, vite! À mon avis, il va falloir courir. Parce que lui, les cargaisons, il s'en bat les couilles. Il te les soulève au calme. Je crois pas qu'il m'ait vu. C'est le moment. Il t'a totalement vu, hein. Non, il t'a totalement vu, voilà. Ok, très bien, très très bien.
Va falloir y aller discrètement. Je pensais que c'était une phase de... Je crois pas qu'il m'ait vu. C'est le moment. De course. Non, oh, je sais que t'es là. Montre-toi. J'ai pas de temps à perdre. On s'amuse avec lumière maintenant. Bah alors le débile. On se casse. On se casse, on se casse. Pitié, fais qu'il ne voit pas. Fais qu'il ne voit pas. Oui. Je suis cramé, hein. Non, oh, mais non. La vache, putain. Je pensais qu'on pouvait pas être cramé quand on sortait d'un... d'une zone comme ça. Pas qu'il m'ait vu. Mais pas du tout. C'est le moment. Non, je sais que t'es là. Ok, va là-haut. J'ai pas de temps à perdre. On s'amuse avec lumière maintenant. Ok. Pitié, faut qu'il me voit pas. Faut qu'il me voit pas. Alors le débile. Ok. Va dans l'eau, hein. Va dans l'eau, hein. Je suis sûr il sait pas nager, cet abruti. Je vois pas quoi faire, putain, c'est horrible. Ne joue pas avec moi. Ok. Pas de choix, je dois lui passer son nez. Ma patience a des limites. Ok, ok. Sors de ton trou. Je suis mort. Encore un peu. J'ai pas besoin de ça. J'ai peur. Ok. J'ai eu très très chaud. On va passer par ici. Allez, c'est pas fini, hein. Vous vous en doutez. Ça serait beaucoup trop simple. Ok. Je cache. Là, il peut rien faire, là, concrètement. Là, il peut rien faire, on est d'accord. Ok. Là-haut, je serai plus. Oh, je te couvrai. Je t'écraserai. Ok. Ce comté, c'est ma seule chance. Ok. J'aurai pas le temps. C'est bon. Je dois lui faire dégager le passage. Ok. Vas-y, passe ici, frérot. Oh, je suis en train de jouer avec l'ennemi. Incroyable. Je suis mort. Go, go, go. Et ben voilà, aucun souci les gars. Ah. Bon, encore un petit souci peut-être. C'est comme cache-cache. Je déteste cache-cache. Prévenir mec, je les ai. Lâchez-moi! Donne ton portefeuille! Au secours! Hé, hey, laissez-le tranquille! Grosse erreur, gamin. Oh, on bouscule pas les gens comme ça! Quoi? Comme ça? Ok. C'est qui mordrait? Les hanches droites. Qu'est-ce qu'il raconte? Dans deux secondes, il racontera plus grand-chose.
Wow. T'en veux aussi? Non, non, c'est bon. Genre... Oh merde! T'en veux aussi? Faut que je travaille mes répliques de baston. Miles, le boss! Miles! Eh, hey, j'arrivais pas à te joindre. Toi bien? Eh, hey, au fait, vous énervez pas, mais... Il y a un truc qu'il faut que je vous raconte. C'est impressionnant, Miles. Reste à proximité de piste. On sait jamais. Les détenus pourraient s'en prendre en refuge. Ouais, j'ai pris de l'avance. S'il arrive quoi que ce soit d'autre ici, je vous tiens au jus. Super. Merci, Miles. Et c'est la fin de cet épisode. N'oubliez pas de jamais le commentaire. On se retrouve très bientôt pour la suite. A bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Yuri, j'ai compris le plan de Reno. Il s'en prend au centre d'aide d'Oscorp. Je pense savoir où il va faire son prochain coup. On nous a signalé un éventuel séisme, voire beaucoup de casse dans le centre de Harlem. Ça lui ressemble. Je me rends là-bas. Ça va comme vous voulez? Je suis crevé, mais je tiens le coup. On va s'en sortir. Gardez espoir.